Comment? Pourquoi tu es venu en retard ce matin au travail? J'ai décidé que je ne peux plus travailler dans ce garage. Mais parce qu'un fer peut couper mon pied doucement comme ça. Comment le pied peut couper, le fer peut couper le pied de quelqu'un? Tous ces machins-là, ça fait du trop. Ah. D'abord, même l'autre, toujours que je suis rentré, ça arrive pas passer les reins, je vais passer les reins. Mon rein marche mal. Donc, c'est pour ça que tu as décidé que tu ne peux plus travailler dans ce garage? Non, à partir de jeudi. Tu as vu comment tu portais devant le fer là, ça voulait te tuer. Je dis que mon rein est en train de me faire mal. Je ne te comprends pas, Batré. Ouais, frère. Ouais. Tu sais? Non. J'ai le secret. Quel secret? On va devenir riche. Comment? Je dis qu'on va devenir riche. Comment on va devenir riche? Tu crois que les gens qui écrivent partout que Marabout guérissait, tu crois qu'il fait la magie? Ils ne connaissent rien. Tu dis les gens qui écrivent les plaques partout là? Ouais. Il ne connaît rien, ni qu'est-ce. Ouais. Alors j'ai décidé que on va devenir aussi des grands marabouts d'Afrique. Hein? Mon frère, tu es dangereux. Hein? Si ma mère qui est au village comprend que je suis devenu marabout, elle va dire que qu'est-ce qui est entré sur moi. Que? Si ma mère comprend que je suis devenu marabout, elle va dire que qu'est-ce qui est entré sur moi. Ben. Si ta mère mort maintenant, tu vas lui plantation. Hein? Hein? Oh, tu vas lui planter comment? Tu vas lui acheter les secrets ingrés. On se débrouille. Non! Je me débrouille. Non! Non! Laisse! Non! Tu es fort! Non! Allons! Tu deviens marabout, moi? Non! Je te vois! Tu es faux! Non, attends, je vais couper court. C'est toi qui seras marabout. Pourquoi? Non! J'ai décidé comme que c'est toi. Non, c'est toi. Comme tu es influent. D'accord. Bon, d'accord. Ouais! Bon, vous ne pouvez pas tirer en longueur. Ouais. Tu deviens marabout, tu deviens mon aide. Voilà comment mais ça. Mais seulement si l'argent vient, ne demandez pas beaucoup. Hein. Ouais! Bon. Ce que tu dois faire, hein? Ouais. Va chercher le gars qui écrit sur le tableau. On l'appelle en français le graveur. Non! En bon. Ah, ouais, je vois. Le peintre. Tous les jours, tu veux te montrer aux gens que tu connais. On l'appelle le peinturier. On l'appelle le peinturier. Batré, j'ai quand même. C'est pas parce qu'on est dans ce chantier. J'ai quand même le niveau du cours primaire supérieur. Faut pas quand même exagérer. On donc tu me dépenses que j'ai fait l'école au moins inférieur. Tu veux alors quoi? Tu me devais souvent. Tu lui dis que ici, grand marabout d'Afrique, vérité international. Ouais. Après tu gagnes, on écrit quoi? Batré, fous-moi le camp. Si tu veux écrire une plaque, je veux aller voir ce gars. Moi-même, je vais lui dire ce qu'on va écrire. Tu vas lui dire je quoi? Je connais déjà ce qu'on va écrire. On va écrire. Oui. Grand marabout international. D'Afrique, oui. Voilà. Tu vas alors. Traite tous les maladies du monde. Voici. Les tristesses, les bonheurs. Le malheur, les joies. Le chagrin, les douleurs. La mort, la vie. Même les gonies. Quelqu'un qui a dit de vouloir mourir, on lui met debout. On lui réveille. Mais tu es sûr que ça va marcher? Comment la main? Il ne faut pas qu'on fait comme ça, ça prend la tête de quelqu'un. Non. C'est le Saint-Esprit qui est venu me parler dans la vie. Non. Alors, clôturer les plaques là, je veux dire que tu traites même le sida. Bon, frère, commence à orner les maisons. Tu cherches les aides. Comme même, ça, je m'en vais aller voir le graveur. Toi-même, tu vas voir les miracles que j'ai fait dans, ouais. Que je fais dans les temps. Frère, on abandonne ce chantier. Hein. Il va se débrouiller, il ne nous perd même pas. Ouais. Voici. C'est comme ça. Si mon frère entre ici. Batré! Oui! Batré! Oui! Comment? Hé! Hey, je vois tu as déjà miracles. Terminé, hein? Je vois le miracle. Comment? Hé! Hey, comment? Donc, présente-moi. Je t'avais dit non. On peut faire comme ça, on se retrouve des vrais marabouts, hein? Et si c'est le canari, on... Quelle surprise il va nous faire? Quelle surprise?
encore. Battre! On va mettre l'argent. Tu peux faire comme ça, on devient les vrais marins. Laisse, on va gagner de l'argent. On fera la riche. Regarde, tu vois, c'est quelqu'un qui on fait comme ça. Patrick, on peut devenir des vrais marabouts. Attends, je regarde tout quoi. Viens voir les surprises que je t'ai apportées. Viens voir les surprises que je t'ai apportées. Tu m'as regardé? Viens voir les surprises. Tu m'as regardé quelque chose? Ouais, viens. Tu m'as regardé quoi? Bon, attends ici, tu comprends? Pour ton surprise? Ouais, je t'amène une très dangereuse surprise. Reste ici, tu m'entends? Mais voici que je t'attends. Il ne faut pas bouger, hein? Je ne bouge plus rien. Patrick! Hey, Patrick! Tu parles avec un enfant. Prends, va les surprises. Prends-lui! Comment? Elle est malade? Elle est malade? C'est les surprises. Elle veut mourir? Non. C'est les surprises. Mais, elle est en bonne santé, hein? Ouais. Comment ça va? Ça va, petit. Je n'ai pas dit que c'est un dangereux. Elle m'a fait même petit. Hein. Allons voir le laboratoire avec lui. On l'a même. Non, tu vas voir. Le cas, il a dit que c'est un dangereux. Voici le laboratoire. Voilà, Patrick. Comment on va alors faire maintenant? Oh. On va lui papier. Ouais. On lui met les courriers, on lui met tout, il devient le grand cadre du monde. Amenons le dernier. Amenons le dernier. Comme ça, on le change. Il entre dans le laboratoire. Allons. C'est devenu très dangereux. Tu vois, Tanzina. On l'a changé. Tanzina est devenu Tanzina. Oui. Si quelqu'un vient ici, il veut faire Tanzina le mange. Non, c'est bon, hein. Non. Tanzina, va. Si quelqu'un vient, tu lui es prêt, hein. Hein? J'entends un bruit. Bon, attends, je m'en vais regarder. Hein? Oui. Peut-être les clients sont déjà j'entends là. J'entends un bruit. Commencez à vous conjurer.